Salut, ici le Chapuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des champs d'oiseaux avec des déchets en plastique. Autrement dit, des rhombes plastiques. Pour ce faire, tu as besoin d'un tube de Doliprane ou de toute autre sorte de cylindre en plastique. D'une perceuse, d'un Dremel, de la ficelle et de papier ponce. Comment qu'on fait? Eh bien, c'est facile, tu prends ce cylindre en plastique et tu vas créer une fente dans toute la longueur du cylindre. Exemple. Maintenant que tu as fait ce trou dans le plastique, tu peux poncer. Ton instrument est quasiment réalisé. Il ne manque plus qu'à faire un trou avec la perceuse dans le fond du tube plastique avec un tout petit forêt. Et de passer le fil dans le trou que tu as fait. Moi, je me sers d'une petite aiguille. Ensuite, une fois que tu as passé le fil, il faut évidemment faire des nœuds pour qu'il soit contenu dans ton tube en plastique. Moi, j'en fais 3. Tu remets le bouchon, tu coupes la ficelle et tu es prêt à faire tes plus beaux chants d'oiseaux. Cet oiseau, d'ailleurs, s'appelle paracétamol. Vous pouvez aussi faire ça avec des boîtes de Kinder, boîtes de lysopaïne, maux de gorge, ou des boîtes de dafalgan. Ça marche. Exemple. C'était le Chapuce. On se retrouve sur une plastique partie en live. Topette.